faisiez quoi dans la nuit du 12 octobre ? Cette nuit, une jeune femme a été tuée près d'ici. Elle était pas compliquée. Non, elle s'entendait bien avec tout le monde. Des ruptures amoureuses ? Oui, pas mal. Clara, c'est pas une meuf fidèle. Foutre le feu à une gamine en pleine rue, faut être complètement dégénéré. C'est quoi l'idée, un délire fanatique ? J'espère que ça va ouvrir une piste. Je crois que c'est une tache de sang. Elle tombait facilement amoureuse. Pas encore moi. Arrête de me laisser en répondeur. Bah, c'était son mec. Donc je pense pas qu'elle aurait voulu qu'il sache qu'elle le trompait, quoi. C'était pas une sainte, quoi. Bah, c'est quoi ton idée ? Elle l'a bien cherché ? Clara avait 21 ans. C'est pas parce que les médias s'y sont pas intéressés qu'il faut pas s'en occuper. Je savais qu'elle était accro. C'est-à-dire qu'elle aimait bien mon côté animal. Si ça vient de lui, c'est un vrai dingue. À la PJ, on raconte que chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qui le hante. Il se met à vous tourner dans la tête jusqu'à l'obsession. Ça vous bouffe de l'intérieur. Vous trouvez pas ça bizarre, vous, que ce soit majoritairement les hommes qui commettent les crimes et majoritairement les hommes qui sont censés les résoudre ? Vous savez pourquoi elle s'est fait tuer ? Moi je sais, je vais vous dire. C'est quelque chose qui cloche entre les hommes et les femmes.